Ce week-end se passe au gymnase du au gymnase Saint-Nicolas, une compétition de combat médiéval. Donc aujourd'hui, samedi, c'est de l'épée longue, donc de l'épée à deux mains. Et demain, on va faire de la lance, de la hache de pas, une grande hache d'1m80, et un relais où on va enchaîner la lance, la hache et l'épée longue. Ce week-end est organisé par le foyer du Porto, qui occupe la salle Gérard Gachet, zone de Villune, où parmi d'autres activités, on a un club de combat médiéval où on s'entraîne tous les mardis et jeudis. Alors l'escrime classique, l'escrime moderne, aujourd'hui est vraiment un sport. L'escrime médiévale peut être vu comme un sport. Ici, on a des arbitres, on a un classement, voilà, mais se base sur des traités d'escrime historiques. Dans notre activité, les techniques qu'on utilise là sont issues de manuscrits écrits par des maîtres d'armes à la fin du XVe siècle. Merci.